sommes très contents de vous compter présents parmi nous lors de cette 12e édition du Student Talk, organisée par notre école IED Andalus, innovante et distincte dans son approche pédagogique. En effet, outre l'ancrage des informations recueillies durant leurs recherches, cette initiative qu'est le Student Talk constitue une excellente opportunité pour les apprenants afin d'acquérir de nouvelles compétences telles la prise de parole, le développement de la communication et l'instauration d'une forte confiance en soi, outils indispensable dans la vie étudiantine d'aujourd'hui et professionnelle de demain. Aujourd'hui, je vais vous parler du ciel. Mais pourquoi le ciel est-il bleu? Le ciel est bleu, vous le constatez presque tous les jours. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelle en est la raison? Sans l'atmosphère, le ciel serait noir. C'est le cas sur la Lune et les étoiles. La Terre ou le Soleil se détache parfaitement sur un ciel noir donc. Par contre, l'atmosphère terrestre existe bel et bien. L'air qui la compose est constitué d'un nombre incroyable de molécules et d'infimes gouttelettes d'eau. La lumière qui nous vient du Soleil est blanche. La lumière bleue et verte qui sont les plus diffusées par les petites molécules de l'atmosphère. Bill Gates, Steve Jobs et Mark Zuckerberg. 1. Persévérer. 2. Croire en ses capacités. 3. Apprendre de l'échec. Bill Gates, l'homme le plus riche au monde, né le 28 octobre 1955 à Seattle, est un informaticien et aussi entrepreneur américain et aussi un des artisans les plus reconnus de la haute technologie. Il a quitté la prestigieuse University of Harvard pour lancer Microsoft, une entreprise que tous les techniciens connaisseraient bien. Qui d'entre nous ne connaît pas le fameux système d'exploitation Windows installé sur nos PC et les applications Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. Hello, my name is Lydia Lam. I'm from grade 5 and today I will show you why are plants important and plenty more of them. Why are plants important? Plants are really important for the planet and for all living things. Plants absorb carbon dioxide and release oxygen from the leaves, which humans and other animals need to breathe. Living things need plants to live. They eat them and live in them. Plants help clean water too. How do plants help the environment? Plants are considered a critical resource because of the many ways they support life on Earth. They release oxygen to an atmosphere, absorb carbon dioxide, and provide habitat and food for the Earth wildlife. Qu'est-ce que l'électricité? L'électricité est une forme d'énergie. C'est un phénomène énergétique associé à la mobilité ou au repos de particules chargées positivement ou négativement. Des phénomènes naturels tels que la foudre étaient déjà observés dès l'Antiquité. Mais pendant très longtemps, l'électricité a terrifié les hommes qui voyaient en elle une manifestation de la colère divine ou d'un pouvoir surnaturel. Le premier qui a inventé un moteur électrique s'appelle Pierre Barlow. C'était en 1822. Celui que l'on considère comme l'inventeur de l'électricité s'appelle Thomas Alva Edison. C'est lui qui a inventé la première ampoule électrique et qui a inauguré les premières centrales électriques. Une personne malvoyante est une personne dont la déficience visuelle entraîne une incapacité dans l'exécution d'une ou plusieurs activités. Quelles sont les maladies responsables de la malvoyance? La DMLA est la première cause d'handicap visuel chez les personnes de plus de 50 ans. Elle prive le patient de son de vision, perturbant ainsi fortement son quotidien. Lire, écrire, conduire, etc. Pour la forme la plus courante, la forme sèche, l'apparition des symptômes signifie que la maladie est déjà bien installée. D'où l'importance de faire des visites très régulièrement chez l'ophtalmologiste. اليوم سوف نتحدث عن ظاهرة الفقر. يعتبر الفقر من الظواهر الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات النامية في الآونات الأخيرة. إذن ما هي أسبابه؟ تتعدد الأسباب وتختلف أهمها. البطالة التي تفشت بالنسبة المهولة، تدني وضعف التحصيل العلمي بالنسبة للفرد، عدم وجود فرص حقيقية مثمرة، الكسل والاستثار والإهمال الذي خالف قول الله تعالى في سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كما لا ننسى قول رسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا.
Hello, my name is Mohamed Tahassimani, and today I will speak about video games. Today, it's difficult to find a house that does not have any computer. Both adults and young people spend several hours a day playing through devices such as mobile or tablets. Let's speak about the benefits of video games, used as leisure and entertainment. Video games are great means of entertainment because of the large number of realities they present to get distracted from the daily routine. Increase the sense of competence and self-esteem. The use of video games also creates feelings of self-esteem and competition. You play game after game. As you overcome the different challenges and levels, you feel better about yourself and able to meet following objectives. Mégalodon était une espèce éteinte de requin. Il était le plus grand prédateur lorsqu'il vivait il y a 2 millions d'années. Il n'a pas de lien de parenté avec le grand requin blanc. Son plat préféré était la baleine. Le monstre avait un coup de croc titanesque. Pour mastiquer les os de ses grandes proies, le mégalodon avait besoin de mordre vraiment très fort. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le mégalodon était un prédateur qui pouvait mesurer jusqu'à 20 mètres de long, ce qui est trois fois la taille d'un T-Rex. Quelle partie de notre corps parle ? Le visage, les cheveux, les mains, les bras, les jambes et les pieds, disent beaucoup. Et quand on regarde les yeux ou les sourcils ou encore la bouche, il est possible de savoir si quelqu'un ment ou en colère ou encore déçu. Par exemple, lorsque nous sommes contrariés, les vaisseaux sanguins du nez se contractent et donnent l'envie de se gratter. Une personne qui vous raconte quelque chose est dans ses yeux fouillis dans cette zone de son cerveau. Peut-on donc être en train de mentir de la même façon? Aujourd'hui, je vais vous parler de la nature. L'homme ne peut pas se passer de la nature. Mais concrètement, en quoi l'homme est-il lié à la nature? En est-il vraiment dépendant? L'homme est lié à la nature. La nature assure la survie de l'homme. Elle est aussi pour lui une source d'enseignement et de richesse. Elle lui apporte bien-être et plaisir. L'homme a donc intérêt à respecter et à préserver la nature. C'est une question de survie. Nous compromettons notre survie future, nous limitons nos possibilités de découverte, nous entravons le développement de notre civilisation. Préserver la nature n'est pas qu'un caprice de doux rêveur, amoureux des fleurs et des oiseaux. C'est une question de survie pour l'homme. Nous remercions nos chers conférenciers et toute l'équipe qui a contribué pour réaliser cet événement. Et nous remercions également nos chers parents pour leur présence et leur encouragement à la prochaine édition. Et merci. وصلني سلام رياض الأندلس منهاج مبني على خيرة لصوص الناس والعلام والأخلاق العالية بيبان مفتوحة وصورها عالية وصلني سلام رياض الأندلس الكتب في قلوبنا ديما حدانا بالتكنولوجيا نعيش زمان